Un des grands avantages lorsqu'on travaille pour une compagnie aérienne, ce sont les billets à rabais. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quel genre de rabais on a, au moins dans ma compagnie. Soyez les bienvenus à bord. Quand on est hôtesse de l'air, steward, PNC, agent de bord, on voyage beaucoup pour notre travail, mais on aime aussi souvent voyager pour aller se détendre, pour partir un week-end quelque part, partir en vacances, ou faire découvrir les destinations qu'on a visitées avec nos équipages à notre famille, à nos amis les plus proches. Alors on utilise ce qu'on appelle les billets non-revenue, GP ou staff travel. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Soyez les bienvenus sur ma chaîne si on ne se connaît pas. Toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'essaie de vous faire découvrir un petit peu le milieu du transport aérien et également comment ça se passe lorsqu'on travaille pour une compagnie aérienne. Donc, je vous l'ai dit, on a accès à des rabais. Beaucoup d'employeurs offrent des rabais à leurs employés, quelle que soit l'industrie, mais les rabais ne sont pas les mêmes d'une compagnie à l'autre. Et il n'y a pas de loi qui régit ce genre de choses. C'est comme si vous travaillez pour une usine de saucissons. Peut-être que vous avez 75% de rabais sur les saucissons que vous achetez dans votre usine, mais que l'autre usine qui se trouve à 200 km, les employés n'ont que 50% de rabais. Donc, d'une compagnie à l'autre, on n'a pas tous exactement les mêmes rabais. Mais je vais vous donner des informations générales. Ce qui fait que si un jour vous allez considérer travailler pour une compagnie, peut-être que vous allez trouver quelque chose d'un petit peu similaire. Je dirais que les billets rabais, c'est un des plus gros avantages que l'on a lorsqu'on travaille pour une compagnie aérienne, mais ça vient avec sa part de risque parce qu'on ne monte pas toujours dans un avion même si on est un billet. Alors, on a accès à un paquet de compagnies aériennes et non, on n'est pas spécifique à une alliance. Peut-être que la compagnie pour laquelle on travaille fait partie de SkyTeam, mais on n'a pas des rabais sur toutes les compagnies de SkyTeam. Par contre, on va avoir des rabais sur certaines compagnies de Star Alliance. Donc, les alliances qui existent pour les passagers sont complètement différentes des rabais et des accords qui sont faits entre les compagnies. En fait, chaque compagnie va signer un accord directement avec les autres compagnies avec lesquelles vont s'offrir des rabais l'une et l'autre. Donc, on a une liste qui peut grandir, qui en fait a pas mal grandi depuis quelques années, mais qui n'a rien à voir avec les alliances qui existent pour les passagers. Il y a toujours le mythe comme quoi on voyage gratuitement. Je sais qu'aux États-Unis, les compagnies aériennes, sur les vols domestiques, souvent les employés des compagnies aériennes voyagent gratuitement ou ont juste les taxes à payer. Ce n'est pas mon cas, ça peut être le cas sur certaines autres compagnies. En fait, c'est souvent, ça dépend des lois locales et principalement des taxes. Lorsqu'on a accès à des billets gratuits, c'est un avantage en nature et la compagnie doit justifier combien est-ce que de billets gratuits, en fait, combien de rabais elle a donné à l'ensemble de ses employés, divisé par le nombre des employés, et ce montant devient imposable un petit peu pour tout le monde, que vous utilisiez ou que vous n'utilisiez pas ce genre de service gratuit. Et dans le pays où j'habite, on a des rabais qui sont quand même intéressants, mais qui ne sont peut-être pas aussi intéressants que certains autres pays où les impôts justement sur ces avantages peuvent être un petit peu moins chers. Alors, je dirais qu'il y a deux catégories de billets. Il y a ce qu'on appelle les billets en stand-by et il y a les billets qui sont fermes. Une fois de plus, je vous donne les informations sur ma compagnie. Les billets à tarif réduit, on appelle ça souvent des GP. GP, ça veut dire gratuité partielle. C'est le terme qui est utilisé en France. À l'étranger, souvent, on appelle ça soit des billets stand-by ou des billets non-rev. Non-rev, ça vient de l'anglais non-revenue. Ce sont des billets qui ne rapportent pas d'argent à la compagnie, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces billets stand-by. Vous allez voir que dans certains cas, ça peut être source de stress. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si le milieu du transport aérien est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez le petit bouton pour cliquer. Vous pouvez activer la cloche et partager la vidéo, mettre un pouce vers le haut et mettre un commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des billets à rabais? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? Peut-être que vous avez de la famille ou des amis qui travaillent dans le milieu aérien. Et dans ce cas-là, quel genre de rabais vous avez? Ça m'intéresserait de le savoir. Et donc, les billets stand-by. Un billet stand-by, c'est-à-dire que vous allez monter dans l'avion seulement s'il reste de la place pour vous. Et s'il reste des sièges de vide dans l'avion, ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être pour vous. Parce que l'avion a un poids total et dans ce poids, il y a le poids des passagers, mais il y a aussi le poids de ce qui se trouve en soute. Et il n'y a pas que les bagages en soute, on en transporte aussi du cargo, du fret. Et si sur certaines journées, on a des choses qui sont très très lourdes, eh bien malheureusement, on va devoir voyager avec une cabine qui ne sera pas complètement remplie à 100%. Et donc, les passagers qui sont en attente d'un billet stand-by ne vont pas pouvoir monter. Je sais que sur ma compagnie, au départ de Vancouver, une certaine journée dans la semaine, on a beaucoup de cargo parce qu'on apporte des choses ici. Et donc ce jour-là, on sait très bien que ça ne vaut pas la peine d'essayer de risquer un stand-by parce qu'on va certainement rester au sol à dire au revoir à l'avion, mais il va partir sans nous.
Dans le cas de ma compagnie, un billet stand-by, on va payer 25% du prix du billet d'avion. Ça n'inclut pas les taxes. Les taxes sont toujours en plus. Il n'y a pas de rabais sur les taxes parce que c'est pour les aéroports et les gouvernements. Donc là-dessus, on n'a pas de rabais. Mais on va payer 25%. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est 75% de rabais sur le prix d'un billet d'avion. J'y ai accès pour toutes les lignes de ma compagnie aérienne et j'y ai accès pour toutes les autres compagnies sur lesquelles on a des accords. Bien sûr, lorsque je voyage sur ma compagnie, j'ai une priorité qui est plus élevée. On va d'abord embarquer dans les passagers en attente les gens de notre propre compagnie. Puis ensuite, dans la liste de priorités, on va avoir nos dépendants. Et puis ensuite, on va voir les buddies. Je vais vous parler tout ça vers la fin de la vidéo. Et ensuite, on va voir les employés des autres compagnies aériennes. Alors, je peux voyager sur Air France juste pour s'amuser. J'ai fait un petit exercice. J'ai regardé combien coûterait un billet. Si je fais un aller-retour sur Air France entre Paris et New York, et sachant qu'Air France n'est pas ma compagnie aérienne, ça va me coûter 326 €. Alors vous allez me dire, ben oui, mais des fois on voit des billets à 199 €, et souvent les taxes sont peut-être pas toujours incluses, ou si elles sont incluses, ce sont des billets les moins chers, avec pas de bagages enregistrés, etc. Là, j'ai le droit à une valise, j'ai un service d'une compagnie classique, et j'ai tout le service, le repas, etc. Mais 326 € aller-retour, ça vaut quand même la peine. Et vous allez voir que c'est un stand-by. Si je décide d'aller de l'autre côté, que je pars de Paris pour aller à Tokyo, c'est pas beaucoup plus cher, c'est 383 € l'aller-retour. Donc ça vaut vraiment la peine, ce sont vraiment des billets pas très très chers. Et puis si je décide par contre de faire un Paris et d'aller juste à Nice, un Paris-Nice aller-retour, accrochez-vous bien, ça coûte, roulement de tambour, 149 €. Parce que là-dedans, il y a 65 € de taxes d'aéroport. C'est vrai que sur un billet qui n'est pas très cher, si les taxes sont élevées, on n'a pas l'impression d'avoir un énorme rabais. Donc voilà un petit peu une idée, une fourchette pour vous donner une idée un petit peu de ce que pourrait coûter un billet en stand-by sur une compagnie qui n'est pas la mienne, mais qui est une compagnie avec laquelle on a des accords. Alors comment ça se passe si on arrive à l'aéroport et qu'on ne peut pas monter dans l'avion? En fait, on va arriver à l'aéroport, on va s'enregistrer, on va avoir une carte d'embarquement qui va avoir l'indication STY pour stand-by. On va aller à la porte d'embarquement et une fois que l'embarquement est terminé, s'il reste des sièges, s'il y a des passagers qui ne sont pas présentés, on va nous émettre une nouvelle carte d'embarquement avec un siège. On n'a pas trop le choix en général, siège côté, hublot, couloir, etc. On va donner ce qui reste et on est bien content de monter à bord. Récemment, je faisais un San Francisco-Montréal. Je devais prendre le vol de midi avec ma sœur et sa famille qui, eux, avaient des billets normaux. Donc, j'essayais de voyager avec eux. J'ai simplement regardé la veille les remplissages du vol et je voyais que son vol était déjà surbooké. Donc, j'ai dit, je prends pas le risque. Je vais essayer de prendre le vol d'avant qui lui partait à 8h30 le matin. Je me suis dit, si jamais celui-là ne marche pas, je vais prendre une deuxième chance sur le vol plus tard. En fait, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai été dans le lounge, j'ai pris mon petit déjeuner et en quittant le lounge, à ce moment-là, j'ai eu un siège qui m'a été attribué. Mais je n'étais pas encore sûr de pouvoir voyager. Un autre exemple, je regardais sur YouTube il y a quelques jours une hôtesse de l'air qui voyage pour American Airlines. Elle est basée quelque part aux États-Unis, je ne sais pas trop où, mais elle habite à Madrid. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle doit commencer un vol, elle doit d'abord se rendre de Madrid aux États-Unis, dans la ville où est sa base, pour ensuite continuer à travailler et à la fin de ses vols, elle retourne à la maison. Et elle expliquait qu'elle voyageait le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est la fête du travail en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont finir leurs vacances aux États-Unis, qui vont retourner en Europe parce que c'est la fin des congés scolaires du mois d'août. Et donc, elle disait qu'elle n'arrivait pas à partir de Miami pour retrouver à Madrid. Et ce qu'elle a dû faire, elle a dû faire un Miami-Los Angeles pour repartir dans l'autre sens pour pouvoir aller à Madrid. Vous imaginez le détour. Mais bon, d'un autre côté, on paye 25% du prix du billet. Donc, c'est des choses à considérer. Il m'est arrivé une fois aussi, pour terminer mes histoires, j'étais à Los Angeles, j'essayais d'aller à Sydney en Australie. Tous les vols étaient pleins, ça faisait 3 jours qu'il n'y avait plus de place, que les vols étaient surbookés, donc les gens s'accumulaient parce que bien sûr, ceux qui étaient là il y a 3 jours, ils ont été mis sur le vol de 2 jours plus tôt, puis après du jour suivant, etc. Donc la liste des passagers en stand-by s'agrandissait. Moi j'ai dit je ne reste pas pendant 3 jours à Los Angeles à risquer de partir. J'ai pris un vol Los Angeles-Tokyo, Tokyo-Sydney, et je suis rendu à Sydney. J'ai fait un petit détour de quelques heures de plus, mais je n'ai pas dû rester 3 jours. Et les billets stand-by, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais il faut avoir beaucoup de patience et il faut être capable de gérer son stress. Si vous avez vraiment besoin d'être quelque part à une destination à l'arrivée à un certain moment, c'est peut-être pas la meilleure chose de faire un stand-by. Dans le cas de ma compagnie aérienne, si je voyage sur ma propre compagnie, j'ai une autre solution qui s'appelle les billets fermes. Donc ce sont des billets confirmés, comme ceux que vous achetez vous-même sur internet ou dans une agence de voyage. Simplement, j'ai 50% de rabais, une fois de plus, sur le prix de base du billet, pas sur les taxes d'aéroport. Mais ça vaut quand même la peine. Et là, j'ai un billet qui n'est pas annulable, il n'est pas remboursable. En fait, il est soumis aux conditions tarifaires du billet normal. Un billet stand-by, il est remboursable à 100% tant qu'on n'est pas monté en avion, parce qu'on n'a pas de siège. Alors qu'un billet ferme, il est soumis aux mêmes conditions. Donc si j'ai un billet non remboursable, il est non remboursable.
Mais par contre, le gros avantage, c'est que ben, je suis sûr de pouvoir voyager. Donc, si je dois me rendre à un mariage, si je dois me rendre à un événement particulier, je peux utiliser ce billet-là et dans ce cas-là, ben, ça vaut la peine. Et puis, ben, si je réserve longtemps à l'avance et que les prix sont plus bas, et ben, dans ce cas-là, je vais payer encore moins cher. Si je réserve à la dernière minute, bien sûr, le billet de base va être plus élevé. Même avec 50%, ça reste quand même un montant qui peut être plus important que si, j'avais prévu ça longtemps à l'avance. Ces billets à 50%, dans le cas de ma compagnie, je les ai de manière illimitée sur le réseau domestique et sur le réseau international. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. En général, je prends un stand-by pour partir, mais je vais prendre un billet en ferme pour revenir à la maison. Comme ça, au moins, je suis sûr que je rentre quand c'est prévu pour pouvoir continuer à travailler si je travaille le lendemain ou le surlendemain de mon retour de vacances. Alors maintenant, qui peut profiter de tous ces rabais? Eh bien d'abord, bien sûr, les employés des compagnies aériennes. Il peut y avoir une certaine période dans le cas de ma compagnie où on doit attendre, je pense, un mois avant d'avoir accès aux rabais sur notre propre compagnie et un an d'ancienneté avant d'avoir accès aux autres compagnies avec lesquelles on a des accords. Ensuite, on peut offrir ces rabais à d'autres personnes de notre entourage. Alors, on a deux packages qui nous sont proposés. On a le package individuel et le package familial. Le package familial, ça veut dire que le conjoint ou la conjointe de l'employé et les enfants jusqu'à, c'était 21 ans, ça a été augmenté jusqu'à 24 ans, ont les mêmes avantages que nous, donc peuvent voyager, ont les mêmes types de priorités que celles qu'on va avoir et peuvent utiliser les rabais sur ma propre compagnie et sur les compagnies partenaires. Donc c'est quelque chose qui est assez rentable et par contre il existe aussi le package individuel, c'est celui que moi j'utilise. Donc là je choisis une personne qui peut être un conjoint, conjointe, un meilleur ami, ma sœur, qui va avoir accès au même rabais. C'est toujours l'employé qui doit faire la réservation. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais alors pourquoi est-ce que toi, tu as une seule personne, alors d'autres peuvent avoir une famille complète? Bien, on a également aussi des rabais qu'on peut offrir à des amis. En fait, on a 9 voyages dans le cadre de l'individuel, 9 billets qui peuvent être utilisés. Un billet, ça peut être un voyage aller-retour pour des amis qui n'ont pas forcément voyagé avec nous et qui ne sont pas forcément reliés ou des amis très très proches, mais ça doit être des gens qu'on connaît. Par exemple, j'ai un ami l'année dernière qui avait des funérailles, il n'avait pas les moyens de se payer le billet d'avion. Je lui ai dit, écoute, il me reste encore un pass, je vais te l'offrir. Donc, il a pris l'avion, il a fait l'aller-retour pour pouvoir se rendre aux funérailles et il a payé 25% du prix du billet. Donc, ça l'a bien arrangé parce qu'il voulait vraiment y être, mais il n'avait pas les moyens de se payer le billet d'avion. Donc dans mon cas, j'ai le droit à 9 passes comme ça pour des amis, c'est sur ma compagnie. Dans certains cas, ils peuvent voyager sur d'autres compagnies s'ils sont accompagnés avec moi, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le package familial, ils en ont seulement 3 par année, donc ben, ça se rebalance. L'année dernière, j'ai utilisé mes 9, cette année, je pense qu'il m'en reste quelques-uns. Bien sûr, on nous encourage à prendre une assurance voyage, des assurances voyage qui sont un petit peu spécifiques, surtout pour les billets stand-by. Ça veut dire que si on ne monte pas dans l'avion, eh bien, l'assurance va nous donner une nuit d'hôtel jusqu'à ce qu'on puisse continuer à voyager. Donc, il peut y avoir une franchise à payer, mais au moins, on ne se retrouve pas à dormir dans un aéroport. Donc, pour l'assurance voyage, on vaut vraiment, vraiment la peine. J'espère que ça répond à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, le compte c'est Victor Voyage. Si un jour vous êtes tenté de travailler pour une compagnie aérienne, ben sachez que ce genre d'avantage, qui va différer un petit peu, je vous l'ai dit, c'est pas la même chose d'une compagnie à l'autre, mais c'est quelque chose qui est disponible. Je vous souhaite une très très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.